Lorsqu'Enfance paraît en 1983, Nathalie Sarraute, qui est née en 1900, est déjà une vieille dame. Elle a près de 83 ans. Elle est aussi depuis longtemps une auteure reconnue et l'une des figures majeures du nouveau roman. D'origine russe, Natalia Tcherniak est née près de Moscou dans une famille juive aisée et cultivée. Mais ses parents vont divorcer lorsqu'elle a 2 ans et la petite Natalia sera ballottée entre la Suisse, la France, la Russie. En 1939, elle publie sa première œuvre intitulée Tropisme, dans laquelle déjà elle s'intéresse à ce qu'elle appellera ces mouvements indéfinissables qui sont enracinés dans l'expérience de chacun de nous. Après la guerre, elle publie une œuvre romanesque importante, dont Le Planétarium en 1956, Les Fruits d'or en 1963, une œuvre théâtrale, avec par exemple des œuvres célèbres comme Pour un oui, pour un non. Et puis a publié aussi en 1956 L'ère du soupçon, livre dans lequel elle formule les théories du nouveau roman. Mais c'est avec Enfance qu'elle revient sur l'importance des tropismes. L'auteur cherche à remonter vers les moments d'intensité, les impressions confuses, intimes, fugitives qui viennent de l'enfance. Elle choisit d'évoquer des souvenirs de ses 11 premières années d'une façon originale. Bien que certains critiques y aient vu un renoncement ou un retour vers un genre bien plus traditionnel, il s'agit en réalité d'une autobiographie d'un genre tout à fait nouveau, dans laquelle l'auteur parvient par l'écriture à faire d'une expérience personnelle intime une expérience universelle. Elle cherche à y mettre en mots les tropismes de l'enfance, à atteindre et faire ressurgir les émotions qui sont restées informulées autrefois, ce qui est resté là enfoui, écrit-elle. Le livre est composé de 70 brefs chapitres, sans titre ni numéro, dont chacun correspond à un moment de la mémoire. C'est un peu comme un album photo. Il n'y a en apparence pas de lien logique entre les différents flashs, mais il n'y a pas de désordre chronologique. L'impression globale est celle du surgissement du souvenir, de la mémoire involontaire à l'œuvre. L'écriture s'efforce de reproduire le fonctionnement de cette mémoire. Dans le passage que nous allons analyser, Natacha s'est installée en février chez son père à Paris. Vera, sa belle-mère, a accouché de Lily et ce sera une période difficile pour la narratrice. À la naissance de Lily, Natacha doit donner sa chambre. Et si cet événement ne donne lieu à aucune réaction manifeste, il est pourtant vécu comme une préférence injuste par la petite fille. Et c'est la remarque de la bonne qui sert de détonateur. Le fil directeur de notre analyse linéaire sera précisément de montrer la puissance des mots d'autrui sur l'enfant. Le texte laisse apparaître 3 grands mouvements. Premier mouvement, la narratrice cherche à identifier, à définir le malheur. Elle a des doutes par rapport à la sincérité de la mère. Dans le deuxième mouvement, la narratrice recherche des preuves. Elle est tiraillée entre l'évidence de l'amour maternel et l'évidence de ce non-amour et du malheur aussi. Et enfin, le troisième mouvement marque un grand accablement, puis une révolte par rapport à cette idée de malheur. Quel malheur quand même de ne pas avoir de mère. Quel malheur. Le mot frappe, c'est bien le cas de le dire, de plein fouet. Des lanières qui s'enroulent autour de moi, m'en serrent. Alors, c'est ça, cette chose terrible, la plus terrible qui soit, qui se révélait au dehors par des visages bouffis de larmes, des voiles noires, des gémissements de désespoir. Le malheur qui ne m'avait jamais approché, jamais effleuré, s'est abattu sur moi. Cette femme le voit. Je suis dedans, dans le malheur, comme tous ceux qui n'ont pas de mère. Je n'en ai donc pas, c'est évident, je n'ai pas de mère. Mais comment est-ce possible? Comment ça a-t-il pu arriver à moi? Ce qui avait fait couler mes larmes, que maman effaçait d'un geste calme en disant « Il ne faut pas », aurait-elle pu le dire si ça avait été le malheur? Je sors d'une cassette en bois peint les lettres que maman m'envoie. Elles sont parsemées de mots tendres. Elle y évoque notre amour, notre séparation. Il est évident que nous ne sommes pas séparés pour de bon, pas pour toujours. Et c'est ça, un malheur? Mes parents, qui savent mieux, seraient stupéfaits s'ils entendaient ce mot. Papa serait agacé, fâché. Il déteste ces grands mots. Et maman dirait, oui, un malheur quand on s'aime comme nous nous aimons, mais pas un vrai malheur. Notre triste séparation, comme elle l'appelle, ne durera pas. Un malheur, tout ça? Non, c'est impossible. Mais pourtant, cette femme si ferme, si solide, elle voit le malheur sur moi, comme elle voit mes 2 yeux sur ma figure.
Personne d'autre ici ne le sait. Ils ont tous autre chose à faire. Mais elle, qui m'observe, elle l'a reconnu, c'est bien lui. Le malheur qui s'abat sur les enfants dans les livres de Sans Famille, dans David Copperfield. Ce même malheur a fondu sur moi. Il m'en serre, il me tient. Je reste quelque temps sans bouger, recroquevillé au bord de mon lit. Et puis tout en moi se révulse, se redresse. De toutes mes forces, je repousse ça, je le déchire. J'arrache ce carcan, cette carapace. Je ne resterai pas dans ça où cette femme m'a enfermé. Elle ne sait rien, elle ne peut pas comprendre. Quel malheur quand même de ne pas avoir de mère. Cette phrase, c'est la reprise exacte, au discours direct, des mots de la bonne. C'est la phrase qui va provoquer le questionnement de Natalia. L'association entre malheur et ne pas avoir de mère. Le mot est repris, quel malheur, ici, en début de paragraphe, et montre l'importance que le mot revêt pour l'enfant. Le mot frappe, c'est bien le cas de le dire de plein fouet. Évidemment, ici, on remarquera le lexique, frappe, de plein fouet. Le mot malheur déclenche une image, une métaphore filée, assez violente, celle d'un fouet. On a la sensation physique, du coup, notamment avec l'allitération en F, qui renforce cette impression. Et c'est bien le cas de le dire, ici, évoque l'adéquation, justement, entre le mot et l'image. Le mot et la sensation qu'il produit. Et la sensation qu'il produit, elle est dessous, des lanières qui s'enroulent autour de moi m'en serrent. Alors, on notera s'enroule, m'en serre, sont deux verbes employés au présent, qui provoquent une impression d'étranglement, d'oppression. En fait, c'est l'effet de la puissance du mot qui se matérialise dans cette métaphore. Alors, c'est ça, marque le surgissement du malheur, mais qui est nommé par justement un indéterminé, hein, c'est l'innommable, c'est une expérience intime et brutale qui met en relation le mot et la chose. Et justement, cette chose, toujours l'idée de cet inconnu, de cet indéfinissable, et cette chose, par contre, ce qu'on sait, il y a un adjectif qui est répété deux fois, hein. Terrible, la plus terrible qui soit, il y a une répétition et une gradation vers le superlatif, la plus terrible, qui marque l'envahissement, hein. Qui se révélait au dehors par des visages bouffis de larmes, etc. Donc, cette sensation, elle ne vient pas de l'intérieur, de l'intériorité, elle vient de l'extérieur. Qui se révélait au dehors. C'est-à-dire que l'image qu'en a la petite Natalia, c'est une image finalement très stéréotypée, qui se matérialise ici par une énumération, hein, des voix, des gémissements, etc. Par une énumération de métonymiques, le tout est désigné par la partie. Ce sont des images concrètes, apprises comme appartenant inséparablement à ce mot. Mais les visages bouffis de larmes, les voiles noires, les gémissements de désespoir n'ont aucun rapport avec son expérience propre du malheur, ni même avec son état momentané. C'est une image qui vient se calquer, une image basique, traditionnelle du malheur qui vient se calquer sur le mot. Le malheur qui ne m'avait jamais approché, jamais effleuré, s'est abattu sur moi. La répétition ici de l'adverbe « jamais », bien sûr, est à noter, parce que... Ça n'était jamais arrivé, c'est venu de l'extérieur, mais maintenant ça envahit l'intériorité de la petite fille. Et c'est abattu sur moi, ici. Rappelle le mansère qui était au-dessus, m'enroule, s'enroule mansère, et place la petite fille en position de proie. Comme l'aigle s'abat sur le lapin, l'idée du malheur s'abat sur elle. Cette femme le voit, je suis dedans dans le malheur. Il faut prendre ces trois petites phrases ensemble. Justement parce que elles sont brèves, mais en même temps, elles insistent à nouveau sur le passage de l'extériorité, cette femme le voit, à l'intériorité, je suis dedans, et on reprend avec dans le malheur. Donc c'est bien un passage de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extériorité vers l'intériorité. Le mot de la bonne, donc, est envahissant. Il y a un rapport de cause-conséquence qui grammaticalement n'apparaît pas, cette femme le voit, donc, hein, il n'est pas, mais c'est donc je suis dedans, dans le malheur.
Le rythme de ces trois phrases est de quatre syllabes. Hein. Cette femme le voit, je suis dedans, etc. Ça fait quatre syllabes à chaque fois. Et chacune produit une forte insistance entre le mot prononcé et l'effet du mot sur l'enfant. Comme tous ceux qui n'ont pas de mère. Voilà. Donc je suis dans le malheur, comme tous ceux qui n'ont pas de mère. C'est un raisonnement par analogie, hein, comme tous ceux, qui la convainc que la bonne a raison. Je n'en ai donc pas, c'est évident, je n'ai pas de mère. On a trois phrases négatives. Je n'en ai donc pas, je n'ai pas de mère. Et ici, on avait non pas de mère. Donc il y a trois négations qui se suivent ici, qui expriment toutes les trois la même idée, c'est l'absence de mère. L'enfant passe ainsi de l'idée de malheur à celle de ne pas avoir de mère. Et les deux s'associent. Insistance et auto-persuasion ici, c'est évident, je n'ai pas de mère. Donc, à ce stade, ce premier mouvement montre comment les mots de la bonne impactent l'expérience intérieure de l'enfant et font entrer dans son univers ce qui n'y était pas, c'est-à-dire le malheur, ou du moins l'idée du malheur de ne pas avoir de mère. Comment est-ce possible, hein? Comment cela a-t-il pu arriver à moi? L'adversatif mais et les deux interrogatifs qui suivent ouvrent une position de doute, une attitude de doute par rapport à ce qui vient d'être exprimé comme une évidence. Et puis, il y a aussi une insistance sur l'expérience intime qu'est en train de vivre Natacha. Hein, comment ça a-t-il pu m'arriver à moi? Ce qui avait fait couler mes larmes que maman effaçait, etc. Maman est une formule plus douce que ma mère. Donc on sent là la recherche d'une tendresse. C'est plus rassurant. Effacée d'un geste calme en disant « il ne faut pas », « aurait-elle pu », etc. Le doute est encore marqué par les interrogatives. On cherche à se convaincre, mais c'est encore un doute. La question ici fait basculer le point de vue. Et elle va permettre de passer à la recherche de preuves de l'amour maternel. Aurait-elle pu le dire si ça avait été le malheur? Sous-entendu, bien sûr, non. Et on va rechercher maintenant des preuves. Je sors d'une cassette en bois peint les lettres que maman m'envoie, etc. Notre séparation. Il y a ici des mots qui appartiennent au lexique de l'amour, de la tendresse. Hein. Notre amour, mots tendres, même notre séparation. Qui rapportent, et ils sont entre guillemets, hein, donc qui rapportent les paroles de la mère. C'est le lexique de la tendresse, de l'attachement, qui va permettre à l'enfant de faire parler ses parents, de leur donner une présence, une consistance alors qu'ils sont absents. Il est évident que nous ne sommes pas séparés pour de bon, et c'est ça un malheur. Donc ici on retrouve le il est évident de tout à l'heure, parce que la relecture, je sors d'une cassette en moi, la relecture de ces lettres va permettre à la petite fille de se convaincre qu'elle n'est pas dans le malheur, qu'elle a une mère bien présente et affectueuse. Et c'est tellement évident qu'on retrouve il est évident qu'on avait au-dessus pour l'option inverse, hein, c'est-à-dire je n'ai pas de mère, c'est évident. Et maintenant, il est évident que nous ne sommes pas séparés pour de bon. Et c'est ça un malheur. Évidemment, c'est une question rhétorique. Elle poursuit l'argumentation. Natacha connaît la réponse, ou du moins la réponse qu'elle veut et qui est la négation, justement, de ce malheur. Et maintenant, il va falloir qu'elle argumente avec elle-même pour que ce malheur ne soit pas un malheur. Mes parents qui savent mieux, etc. Non, c'est impossible. Alors, mes parents qui savent mieux. Qui savent mieux ici est mis en apposition, entre virgules, hein, ce qui met en valeur le savoir des parents et leur réaction, s'ils avaient connaissance des mots de la bonne. Leur réaction, ce serait d'être stupéfait, agacé, fâché. Donc, une réaction d'opposition. Hein. Et puis, ici, le verbe aimer est au présent de durée. Oui, un malheur quand on s'aime, comme nous nous aimons, donc c'est le présent de durée, c'est quelque chose qui existe. Et finalement, c'est l'amour qui est la cause du malheur, parce que ça devient un malheur d'être séparé quand on s'aime comme ça. Oui, quand on s'aime comme nous nous aimons, mais pas un vrai malheur. L'argument, en fait, est renversé. C'est un malheur parce que justement on s'aime, et non pas parce que je suis sans mère. Ainsi, les propos imaginés des parents permettent à l'enfant de repousser et de mettre à distance les propos de la bonne, et de nier l'abandon, de dissiper le doute qu'elle avait fait naître chez l'enfant. Puisqu'on a un malheur tout ça, non, c'est impossible. L'adverbe de négation non marque le refus, le déni est renforcé par l'adjectif impossible à l'affirmative. Cette révélation donc d'un malheur qui serait le sien pousse l'enfant à rechercher des preuves.
On voit à quel point les mots de la bonne provoquent en elle une tension entre l'évidence de l'amour maternel et, en même temps, l'évidence du non-amour et du malheur. Mais pourtant, cette femme si ferme, si solide le voit, elle voit le malheur sur moi comme elle voit mes deux yeux sur ma figure. Évidemment, ici, mais pourtant, marque encore un renversement dans la perception. Malgré les tentatives de l'enfant pour dénier la réalité du malheur, l'image est tellement forte que les propos de la bonne renvoient encore à des doutes. Cette femme si ferme, si solide. Alors on a deux fois si. La répétition ici de l'adverbe intensif si insiste sur les qualités de la bonne. Or la bonne, c'est une femme ferme et solide. Elle apparaît donc fiable, pleine de bon sens, crédible. Alors on peut la croire. Et puis on a le champ lexical de la vue, bien sûr. Hein. Elle voit, comme elle voit, mes yeux, etc. Il y a trois fois le verbe voir au présent, qui marque la certitude de reconnaître le malheur. Et c'est renforcé par la comparaison ici. Comme elle voit mes deux yeux sur ma figure, ce malheur est une évidence. Elle ne peut pas ne pas le voir. Donc, il y a une lutte interne entre ce que Natacha voudrait et ce que les mots de la bonne ont insufflé en elle et dont elle n'arrive pas à se défaire. Personne d'autre ici ne le sait, ils ont tous autre chose à faire, mais elle qui m'observe. Donc, la bonne a un statut particulier. Elle est la seule à s'intéresser vraiment à l'enfant, la seule à ne pas être indifférente. Il y a opposition entre tous les autres, indifférents, et le regard de la bonne, puisqu'on a personne d'autre, tous autre chose à faire, qui s'oppose à elle. Et elle, c'est la bonne. Donc on a le pluriel de tous, et le singulier de elle, et l'attitude différente de la bonne. Elle l'a reconnu, c'est bien lui. Alors évidemment, elle, c'est le elle apostrophe, c'est le pronom qui représente le malheur. Et c'est bien lui, présente certitude, et le présentatif, c'est... Donc c'est l'évidence de l'absence d'amour et du malheur. Et ça s'est totalement retourné par rapport à ce qu'elle disait plus haut. Il est évident que nous ne sommes pas séparés, etc. Il y a donc la certitude maintenant de l'abandon et du malheur. Elle va s'associer à partir de là aux grandes figures littéraires, à travers des exemples célèbres de l'enfance malheureuse. Le malheur qui s'abat, hein, toujours l'idée de quelque chose qui est... Les enfants sont des proies, en fait, les proies du malheur. Qui s'abat sur les enfants dans les livres de Sans Famille ou David Copperfield. Bon, ce sont de grandes figures littéraires. Ce même malheur a fondu sur moi, il m'en serre, il me tient. Je reste quelque temps sans bouger, recroquevillé dans mon lit. On retrouve bien sûr ici l'idée de la proie et de l'oiseau de proie qui fond sur l'enfant. Et cet oiseau de proie, c'est le malheur. On a qu'il m'en serre, qu'on avait déjà au début du texte. Il me tient. L'oppression, l'enfermement, à nouveau, très fortement marqué. Il me tient, il m'en serre, c'est le mot entendu qui vient envahir l'intime ici, hein, et qui provoque une réaction dépressive. Verbe d'état, je reste quelque temps, s'il n'y a pas d'action, sans bouger, une prostration, en position fétale, hein, recroquevillée au bord de mon lit. C'est un sentiment d'accablement, elle n'arrive plus à réagir. Et puis tout en moi se révulse. Et puis, il marque une rupture soudaine dans l'attitude. Tout en moi. Alors, tout en moi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que l'image venait de l'extérieur et une force. Quelque chose va venir de l'intérieur, se révulse, se redresse. Et ce tout est pas vraiment nommable non plus. Hein. Se révulse, se redresse. De toutes mes forces, je repousse ça. Et on retrouve cet indéterminé qui nommait le malheur, cette idée du malheur ou cette idée de l'abandon. Cette énumération des verbes d'action ici, se révulse, se redresse de toutes mes forces, etc., montre la réaction de déni, hein, de rejet. C'est le tropisme de la révolte. La succession rapide des verbes d'action et la violence qu'ils manifestent. La réaction de Natalia face à cette situation. C'est une lutte qu'elle engage pour se libérer de l'enserrement, justement. Je ne resterai pas est un futur avec valeur de certitude, plus la négation. Et donc marque une forte détermination à ne pas accepter. Je ne resterai pas dans ça. Hein, toujours, c'est ça. C'est la métaphore du carcan. Rache ce carcan. Le carcan, c'est un instrument de torture moyenâgeux hein, qui bloquait la tête et les poignets. On ne pouvait plus bouger. Il y a un rejet complet de cet enfermement qui est marqué par l'emploi du futur à valeur de certitude et la négation. Où cette femme m'a enfermé. Elle a perdu ses qualités. Elle devient mauvaise à la place des parents. C'est elle qui enferme l'enfant dans ça, dans la catégorie des abandonnés. Elle l'enferme dans un mot qui est le mot malheur.
Et Natalia le rejette. Elle ne sait rien, elle ne peut pas comprendre. Elle ne sait rien. Ça rappelle tout à l'heure, mes parents, eux, ils savent. Hein. Ce sont les parents qui savent. Et donc la négation ici marque que la bonne se trompe. Elle ne peut pas comprendre. Autre négation. Donc le savoir de la bonne s'oppose au savoir des parents. Mes parents qui savent mieux. Et la bonne est renvoyée à son ignorance par les deux négations. Ne sait rien, elle ne peut pas comprendre. Dans ce troisième mouvement, nous avons vu que les mots de la bonne, donc, provoquent d'abord l'accablement, puis la révolte, pour se libérer de la puissance des mots d'autrui. Ainsi, le passage que nous avons analysé montre l'impact des mots venus de l'extérieur, du dehors, et du même coup le fonctionnement du tropisme, qui, je le rappelle, est une réaction élémentaire à une cause extérieure, justement. Le mot prononcé par la bonne amène le débat intérieur et contraint la petite Natacha à trouver en elle-même la force de survivre et d'échapper à l'impact des mots d'autrui, au choc que provoquent ces mots. Natacha va donc se révolter contre cette invasion, hein, du mot et donc de l'idée qui l'accompagne. C'est donc le mécanisme même du langage, qui est un mécanisme à l'origine du tropisme, qui est mis en cause ici, et non pas la personne de la bonne. Hein. La bonne, elle est juste porteuse des mots. D'autres situations similaires, d'autres phrases violentes et douloureuses se présenteront, comme par exemple la phrase de Vera, ce n'est pas ta maison. On peut éventuellement faire un lien entre ce texte où la parole est essentielle avec juste la fin du monde de la Garce, pièce dans laquelle justement la parole ne peut pas dire ce qu'elle a à dire, et où les personnages cherchent sans cesse le mot juste sans jamais le trouver, et finissent par ne pas dire ce qu'ils sont venus dire.